Bonjour à tous, bienvenue à cette capsule vidéo concernant le programme des techniques d'aménagement et d'urbanisme du Cégep de Jonquière. Mon nom est Marie-Hélène Mercier, j'enseigne en technique d'aménagement et d'urbanisme, je suis aussi responsable du département. On est une équipe, petite équipe, composée de 5 professeurs ayant à cœur l'aménagement et l'urbanisme, et chacun d'entre nous avons une spécialité. Je vais vous expliquer un petit peu en quoi ça consiste, les fameuses spécialités de chacun pour former un tout qui est l'aménagement et l'urbanisme. D'abord, la technique se donne en 3 ans, donc c'est un DEC qui mène à l'emploi. Évidemment, notre objectif, c'est d'aller sur le marché du travail. Aujourd'hui, je vais vous parler de, en fait, c'est qui s'inscrit en aménagement et urbanisme, c'est quoi les objectifs du programme, c'est quoi que ça prend pour s'intéresser au cours, puis qu'est-ce que vous allez apprendre en gros dans la formation de 3 ans pour aller sur le marché du travail et être prêt à l'emploi. Donc, vous allez avoir un diplôme d'études collégiales suite à votre formation chez nous. Bien sûr, vous pouvez continuer aussi à l'université pour ceux qui le souhaitent, puisqu'il va y avoir différentes branches là, qui vont être touchées par notre domaine d'études. Alors, d'abord, on doit faire le point. Hein? Qu'est-ce que l'aménagement et l'urbanisme? Bien, en fait, l'aménagement du territoire, on devrait dire, là, c'est vraiment l'aménagement qui s'occupe d'organiser le territoire, qu'il soit naturel. Donc, on peut parler d'aménagement forestier, d'aménagement écologique, d'aménagement agricole, ou qui est transformé par l'humain. Donc, l'aménagement urbain, l'aménagement rural, donc justement, là, on peut parler plus agricole. Quand on parle d'urbanisme, en fait, si on se fie à la définition là, standard, c'est si l'aménagement du territoire qui vise l'organisation naturelle du territoire ou encore transformé par l'humain. Mais l'urbanisme, c'est juste la dernière branche de cette portion-là, de cette définition-là. Donc, c'est vraiment uniquement les milieux qui sont bâtis par l'être humain. Donc, vraiment, l'aménagement du territoire, c'est l'ensemble du territoire. Puis l'urbanisme, ça concerne plus les milieux urbains, les villes, les villages. On a un petit vidéo aussi pour mieux vous expliquer l'aménagement urbain qui a été fait par nos étudiants en aménagement et urbanisme. Salut, on est étudiants en technique d'aménagement et urbanisme. On est là pour vous expliquer c'est quoi l'aménagement et urbanisme en milieu urbain. Aujourd'hui, je suis au centre-ville de Jonquière pour vous démontrer les aspects d'aménagement et urbanisme tels que les commerces, les bâtiments publics, également les espaces verts. Tout ça, c'est des aspects qui font partie de la réglementation d'une ville. On se situe présentement dans un parc urbain près du centre-ville. Et nous, en aménagement urbanisme, on se concentre beaucoup sur la protection des cours d'eau ainsi que de faire respecter les règlements. On s'occupe aussi de l'implantation des pistes cyclables et des parcs. Et derrière tout ça, il y a quelqu'un qui réfléchit à un plan pour concrétiser ce projet. Je suis présentement dans un quartier résidentiel. L'aménagement et l'urbanisme aussi, c'est de garder le patrimoine pour conserver une belle ambiance dans le quartier. Ça consiste aussi à recevoir des demandes de permis, soit pour de la construction, de la rénovation, puis c'est de s'assurer, dans le fond, de la conformité de ces demandes-là. Et le contact aussi avec les citoyens est super important, parce qu'on est là pour les conseiller tout au long du processus. Comme vous pouvez voir, l'aménagement et l'urbanisme, c'est un domaine qui est très varié et ça touche à plusieurs aspects de votre milieu. Donc, comme vous avez pu voir dans la vidéo, les étudiants vous ont expliqué un petit peu l'aménagement en milieu urbain. Qu'est-ce qui préoccupe le technicien en aménagement et urbanisme? Donc, c'est quoi finalement l'aménagement et l'urbanisme? C'est quelqu'un qui participe à des projets d'aménagement en milieu rural, en milieu urbain, en tenant compte des impacts sur l'environnement. La jeune fille dans la vidéo vous a parlé du cours d'eau. Donc, évidemment, tout ce qui va toucher les berges, les rives, qu'est-ce qui se situe sur le long du cours d'eau, va avoir une influence sur la qualité de l'eau. Donc, nous, on va se préoccuper de ça, de l'utilisation du sol. On va se préoccuper aussi, en fait, de travailler autant sur le bureau que sur le terrain. Hein. Vous comprendrez qu'on doit aller prendre des données sur le terrain pour les ramener en laboratoire ou au bureau, si on veut. Puis, on va traiter toutes les données. Donc, on va avoir des notions de relevé terrain. On va être capable d'aller prendre des mesures, on va être capable d'aller diagnostiquer un peu le territoire, d'aller comprendre le site pour ensuite le traiter au bureau pour l'aménager. C'est vrai aussi pour les citoyens. Si les citoyens viennent nous voir
pour un citoyen, si on travaille dans une municipalité, par exemple. Donc, si les citoyens viennent nous voir, bien, on va être capable de bien lui expliquer qu'est-ce qu'il a le droit de faire sur son terrain, est-ce qu'il peut construire son habitation. Puis, on va devoir aller vérifier sur le terrain ensuite, est-ce qu'il a bien respecté ce qu'on lui a dit au bureau. Donc, il y a vraiment une alternance entre le travail sur le terrain et le travail au bureau. C'est vrai à l'école, mais c'est vrai surtout sur le marché du travail. Donc, il faut vraiment aimer bouger. Le technicien répond aux demandes des citoyens. Hein, vous voyez, l'information, permis, plainte, projet. Donc, il fait le pont. C'est vraiment la personne ressource. C'est la personne ressource dans la municipalité. Tant la personne ressource auprès du citoyen, donc la personne qui habite dans la municipalité, que les élus, donc le maire, les conseillers. Évidemment, tout dépendant de la grosseur de la municipalité dans laquelle notre technicien va travailler, les tâches vont être différentes. La personne va être vraiment l'image de la municipalité. Donc, la personne qui va arriver, le citoyen qui va arriver dans le bureau de notre étudiant, de notre finissant, le technicien en aménagement et urbanisme, il va voir notre finissant, puis il va lui poser plein de questions. Parce que le citoyen, au début, il ne connaît pas vraiment les réglementations, il ne connaît pas qu'est-ce qu'il peut faire, il ne connaît pas c'est quoi le terrain. Donc, c'est notre technicien qui va l'informer. Il est vraiment l'image de la municipalité et c'est lui qui est la personne ressource. Mais c'est vrai aussi pour les élus, donc les maires, par exemple, ou tous les gens qui travaillent dans la municipalité. Il va être capable d'informer les gens qui travaillent dans la municipalité. Il va être capable de tâter le pouls sur le terrain, de dire « la réglementation que vous avez adoptée, là, c'est difficilement applicable ». Moi, quand je vais sur le terrain, là, je remarque ceci, je remarque cela. Donc, il va être capable de communiquer. Donc, c'est vraiment lui qui fait le lien entre les deux, finalement, entre la municipalité puis entre les citoyens. Il agit donc comme personne ressource à la municipalité. C'est un programme que vous l'aurez deviné, évidemment, pour être capable d'informer bien les citoyens. C'est un programme donc, qui se veut multidisciplinaire. La formation de 3 ans va toucher vraiment différents domaines. Elle va toucher le domaine de la géomatique, de l'architecture, de l'environnement, du droit, du génie civil, pour former quelqu'un qui est vraiment complet puis qui connaît plein de domaines. Donc, on dit être multidisciplinaire. Donc, c'est un domaine qui touche à plein de disciplines. On peut voir dans le vidéo suivant 3 de nos étudiants, nos finissants, qui sont maintenant dans différentes municipalités, qui vont vous expliquer un petit peu c'est quoi leur travail au quotidien. Mon rôle est d'encadrer le citoyen qui vient me rencontrer pour un projet de rénovation ou construction. Mon rôle en tant qu'inspecteur, c'est d'émettre des permis et certificats et effectuer un suivi des travaux afin de s'assurer de leur conformité, là, que tout respecte la réglementation municipale et provinciale. Je m'assure aussi qu'on préserve l'histoire des bâtiments municipaux. C'est toute la polyvalence, on touche à tout. Moi, je vais même m'occuper des réseaux d'eau, des réseaux d'égouts. Quand je vais sur le terrain, je rencontre des gens, je leur donne de l'information. Les gens sont bien reconnaissants là, de l'aide que je leur apporte dans le projet de construction. J'aime le fait de travailler avec beaucoup de professionnels et de toucher. J'ai toujours aimé la construction, donc nécessairement, j'aime travailler en collaboration avec ces professionnels-là. Quand on dit non à un citoyen, moi, je pense qu'il ne faut pas le laisser quitter comme ça. Il faut l'accompagner. Quand un client rentre dans mon bureau, c'est qu'il sorte avec le sourire. Tout au cours de la formation académique, on essaie d'avoir des projets les plus stimulants possibles. On essaie d'être collé sur la réalité, donc d'avoir des partenariats avec les municipalités qui nous entourent sur des terrains. Donc, on va aller analyser certains sites, on va les traiter en laboratoire, on va les traiter avec des logiciels informatiques, avec différents outils d'analyse, puis on va poser un diagnostic et on va proposer quelque chose. Ça peut être une proposition de réaménagement urbain, de réaménagement de parc, d'aménagement d'un centre-ville. Donc, il peut y avoir différentes propositions qui vont être faites. Ces projets-là sont toujours en partenariat avec les municipalités ou avec différents organismes sur le territoire.
Donc, il y a aussi des possibilités de voyages, de visites en milieu urbain. Au cours des années, on a fait différents voyages. On est même allé en France observer différents phénomènes urbains. On est allé à Boston. Donc, vraiment, ça, c'est les étudiants qui nous font ces demandes-là. Puis, bon, bien évidemment, on est toujours stimulé quand on travaille en aménagement et urbanisme. Hein. On aime ça se promener, on aime ça visiter puis découvrir le territoire. On propose aussi des réaménagements d'espaces urbains, évidemment, hein, des réaménagements d'espaces naturels aussi. Par exemple, des parcs qui peuvent être, on ne va pas vraiment planifier la plate-bande, mais on va planifier qu'est-ce qu'il y a à côté de la plate-bande. Est-ce qu'il y a une table à pique-nique? Est-ce que les gens ont besoin plus d'un module de jeu? Si c'est un module de jeu, est-ce que c'est pour des tout petits ou si c'est des plus vieux? Donc, on va vraiment essayer de comprendre la population pour répondre à ses besoins. On offre aussi un camp, évidemment, de 2 jours au lac Pousse. Bon, un camp, on appelle ça le camp d'automne. Ça a l'air drôle comme ça, mais c'est vraiment agréable, puis ça nous permet aussi de souder notre groupe. On est assez des petites cohortes, donc on finit par bien se connaître, on devient un peu une grande famille. Puis, ça nous permet ce camp d'automne-là, qui est à la première année, premier automne. Donc, ça nous permet de voir les différentes facettes du domaine. Hein, je dis que c'est un programme qui est multidisciplinaire. Donc, c'est pas vrai que la première année, on va toucher à toutes les facettes. Mais c'est important que l'étudiant comprenne bien c'est quoi ces facettes-là. De voir, OK, ben moi, c'est l'architecture qui m'accroche plus. Moi, c'est vraiment plus le côté voirie, c'est le côté génie. Quelqu'un d'autre, c'est vraiment plus la cartographie. Lui, ce qu'il aime, c'est vraiment de placer les éléments. Quelqu'un d'autre va aimer plus la création. Quelqu'un d'autre va préférer vraiment le droit, donc les aspects légaux. Donc, évidemment, toutes ces facettes-là vont faire un tout, mais on essaie, au camp d'automne, de faire valoir, de faire voir, en fait, l'ensemble, un petit peu, des domaines pour que l'étudiant soit plus à même de savoir vraiment dans quoi il s'est embarqué, puis est-ce qu'il aime ça, finalement, hein, parce qu'on s'embarque quand même pour 3 ans, et pour la vie, hein, donc on choisit un domaine d'études, c'est pas évident. Donc, ce camp-là, qui est au début septembre, ben, nous permet des fois de faire de voir si on a fait un choix éclairé, puis de mieux connaître nos collègues aussi. Hein. Il y a des amitiés qui se créent là pour la vie. On fait évidemment des relevés sur le terrain. D'ailleurs, on a 2 cours qui sont vraiment voués au relevé terrain. Comment on fait quand on arrive sur le terrain? Hein? On n'arrive pas, il faut arriver préparé. Il faut savoir qu'est-ce qu'on va chercher sur le terrain. Qu'est-ce qu'on veut aller savoir? Donc, qu'est-ce qu'on veut connaître, nous permettre de savoir quel outil on va avoir besoin, donc préparer notre matériel, où est-ce que ça se situe, être capable de mieux comprendre le terrain avant même de partir pour pouvoir arriver sur le terrain, être efficace, puis être capable de prendre différentes données. Ces différentes données-là vont se prendre avec différents outils, différents instruments qu'on va vous montrer là, dans la formation. Il y a aussi des visites de chantier. Si on parle architecture, on parle aussi de chantier de construction. Donc, on doit bien connaître le domaine de la construction, puis on va, à travers la formation, aller visiter quelques chantiers en construction. Des chantiers qui sont terminés, des chantiers qui sont super intéressants, des chantiers qui, des fois, ne sont pas tout à fait aux normes. Donc, qu'est-ce qui fait que ces constructions-là ont été moins réussies? Donc, il faut voir aussi des bons exemples, mais des moins bons exemples des fois. C'est qui nos étudiants, finalement? Bien, c'est des gens qui aiment l'environnement, nécessairement. Je disais, l'environnement, c'est une facette du programme, mais ça atteint toutes les autres facettes. Je vous parlais qu'il y a du droit, mais évidemment, il y a du droit de l'environnement. Donc, il y a de la construction, il y a de l'architecture, mais l'environnement, c'est aussi dans la construction, dans l'architecture. On a juste à penser aux constructions avec des toits verts ou avec des énergies renouvelables. Donc, c'est un domaine, l'environnement, qui touche tous les autres domaines. Donc, évidemment, il faut quelqu'un qui s'intéresse un petit peu à l'environnement. C'est quelqu'un aussi qui va aimer travailler sur un ordinateur et aussi faire des travaux pratiques à l'extérieur. Tout dépendant de la taille de la municipalité dans laquelle vous allez travailler, ou si vous voulez travailler dans une grande municipalité, ça se peut que vous préfériez travailler uniquement à l'ordinateur. Bien, dans ce cas-là, ça sera possible. Parce que dans une grande municipalité, les gens vont faire plus des tâches vraiment allouées uniquement à vous. Alors que dans une toute petite municipalité, bien, notre technicien d'aménagement et urbanisme va faire de tout. Donc, vraiment, tout dépendant de ce que vous allez retrouver, que vous allez aimer, que ce seront vos intérêts, bien, vous allez choisir votre milieu de travail en conséquence.
C'est quelqu'un qui aime aussi observer, mesurer, calculer, dessiner, mais c'est des choses qu'on va vous montrer. Donc, il ne faut pas être les kings pro là, de la mesure. Là. On va vous le montrer comment mesurer. On va vous montrer comment calculer. On va vous montrer comment dessiner. Même si vous n'êtes pas habile en dessin, vous n'êtes pas nécessairement quelqu'un de créatif, il y a des standards, il y a des façons de le trouver. Il y a aussi des logiciels. Ça nous aide beaucoup à dessiner. Donc, c'est des choses qu'on va vous montrer. Même observer, on va vous le montrer. Comment, qu'est-ce qu'on regarde, tu sais, quand on va se promener ensuite, là, un finissant d'aménagement urbaniste qui se promène dans la ville, il remarque plein de choses que, habituellement, les gens ne remarquent pas. Pourquoi le lampadaire, il est positionné là, puis le banc, il est positionné là? Bien, il y a une raison. Est-ce qu'il y a un bac de récupération à côté de la poubelle? Ah, bien, c'est des choses qu'il va observer. Est-ce que il y a une traverse piétonne au bon endroit? Hein, s'il y a une école, j'espère qu'il y a une traverse piétonne. Donc, c'est tous des petits détails que notre technicien en aménagement urbaniste va être capable de lire, finalement, un territoire très bien, puisque c'est ce qu'on va lui montrer aussi. C'est aussi une personne qui va être minutieuse, qui a un bon sens des responsabilités. Parce que vous le comprendrez, en étant l'image de la municipalité, en étant la personne qui va faire respecter les réglementations sur le terrain, qui va prendre contact avec les citoyens, qui va prendre contact avec le conseil municipal, bien, c'est quelqu'un qui a quand même des responsabilités. Hein. C'est quelqu'un qui doit être autonome. Mais ça vient avec aussi un avantage, on est autonome dans notre travail. Donc, on a un poste où est-ce que les gens nous font confiance, puis on est libre un peu de notre temps, finalement. Hein? S'il fait beau, ben on peut se dire, je vais aller faire un tour sur le terrain. Aujourd'hui, il pleut, je vais faire davantage du bureau. Donc, il y a vraiment une large autonomie dans le travail, donc ça devient intéressant aussi à avoir. Donc, c'est qui? On a plusieurs étudiants là, qui sont illustrés sur le diaporama. Puis, il y a Marie-Luce qui nous parle un petit peu de son parcours chez nous. L'aménagement et l'urbanisme, c'est partout autour de nous. Et c'est grâce à des spécialistes comme Marie-Luce. Tout ça commence au Cégep de Jonquière. Qu'est-ce que ça prend pour s'inscrire en aménagement et urbanisme? Bien, évidemment, ça prend un diplôme d'études secondaire. Et les conditions particulières d'admission, c'est les mathématiques CST de secondaire 4. Il va y avoir des cours où est-ce qu'on va avoir besoin de comprendre les mathématiques, mais on va vous les montrer. Ça veut dire des mathématiques qui vont être très, très appliquées au domaine. Par exemple, on doit connaître la pente d'un terrain ou la pente d'un toit, bien ça, c'est la trigonométrie. Mais on va vous l'enseigner. Hein, on va vous apprendre à comprendre pourquoi on a besoin de comprendre, de calculer l'angle. Donc, ça, c'est des choses qu'on va vous montrer. On a des cours de mathématiques qui sont très, très appliqués. Et dans les cours de mathématiques, on va dehors sur le terrain, on apprend pourquoi on apprend ces mathématiques-là, finalement. Donc, vraiment des notions très appliquées. Donc, ce que vous avez besoin, c'est les maths CST de secondaire 4. Étudier au Cégep de Jonquière, donc, qu'est-ce que ça veut dire? Bien, en aménagement et urbanisme, c'est un des seuls cégep qui offre la formation. Il y a 3 cégeps qui offrent la formation. Nous, notre force, c'est en fait, c'est l'avantage qu'on a, c'est d'être près de la nature, puis en milieu urbain aussi. Donc, on allie nos forces, finalement. Si on veut aller étudier un cours d'eau, bien, on a la rivière aux Saves, on a le Saguenay qui n'est pas loin, on a le lac Kenogami. Donc, on peut se déplacer facilement sur le terrain. Si on veut étudier un milieu urbain, mais on est au centre-ville de Jonquière. Donc, on a tout ce qu'il nous faut pour vraiment bien comprendre un territoire, puis les différents milieux. On a des milieux agricoles, on a des milieux forestiers. Donc, on a tendance à se vanter qu'on est le meilleur cégep à offrir la formation. Il y a aussi un stage de 8 semaines dans le domaine. Ce qui est intéressant, c'est que le stage est à la fin complètement du parcours et il dure pendant 2 mois. Il est en milieu de travail et c'est rémunéré. Bon, généralement rémunéré, je dis généralement parce que c'est au choix de l'élève. Mais dans les dernières années, je pense qu'il y a 1 ou 2 personnes qui n'étaient pas rémunérées, puis c'était parce que la personne l'avait choisi, elle voulait vraiment avoir cette expérience-là. Mais généralement, c'est rémunéré parce que c'est un travail vraiment de fin d'année. Hein. Donc, vous êtes finalement dans la municipalité, vous êtes là pour concrétiser vos compétences. Vous les avez toutes. Maintenant, c'est de les mettre en pratique dans le milieu. Puis, ce qui est le fun, le fait que ça soit vraiment à la fin du parcours, c'est que
souvent les municipalités ou les milieux de stage gardent les étudiants. Donc, vous avez finalement un stage, mais un milieu de travail aussi en même temps, là, qui la plupart des gens continuent à la même place. Il y a aussi possibilité de travailler dans le domaine dès le premier été. C'est intéressant ça parce que justement, les municipalités, ils ont besoin vraiment beaucoup de monde pendant l'été. Hein. C'est la saison forte, c'est la saison où est-ce qu'on va collecter sur le terrain plein d'informations. Donc, ils ont besoin de nos étudiants et étudiantes qui viennent de terminer leur première année d'études et aussi leur deuxième année d'études. Donc, ce qui est encore plus intéressant, c'est qu'à l'automne 2021, il y aura une formule alternance travail-études qui va être mise en place. Donc, cette expérience de travail-là va être valorisée dans le cadre d'un stage. Au Cégep de Jonquière aussi, bien, c'est des équipements informatiques et des instruments de dernière technologie. On a des GPS, on a des tablettes super puissantes. On a vraiment les outils qui sont utilisés sur le marché du travail. On travaille avec plein de logiciels, donc vraiment, on est bien équipé. Puis, vous arrivez sur le marché du travail, puis vous êtes donc prêt à vraiment comprendre tout ce qui se passe donc dans le monde de la technologie, mais aussi qu'est-ce qu'il y a sur votre territoire. Donc, vous allez être capable de mieux utiliser chacun des instruments. Il y a des visites, évidemment, en milieu urbain, des conseils, des tribunaux municipaux, des voyages d'observation. Donc, on essaie vraiment d'immerger l'étudiant là, dans le domaine de travail. Les différents postes qui sont occupés par nos finissants. Je vous ai parlé beaucoup des municipalités. Hein. Donc, c'est quoi les rôles qui vont être faits, surtout dans les municipalités, dans les MRC, dans les municipalités régionales de comté? Municipalité, on parle de ville, de village. Puis MRC, on parle vraiment plus au niveau régional. Donc, une MRC regroupe plusieurs municipalités. Tout dépendant donc, de ce qui va nous intéresser, on va aller se placer dans une ou l'autre de ces endroits-là. On peut occuper des postes de technicien en urbanisme, d'inspecteur municipal, inspecteur régional. Ça, c'est vraiment 90 % de notre placement. Mais ce n'est pas obligé d'être ça ce que vous faites. Mais vraiment, c'est surtout là-dedans que les étudiants se dirigent. Pourquoi? Bien, il y a 1130 municipalités au Québec. Puis, ils ont tous de besoin d'un inspecteur municipal selon la loi. Donc, nécessairement, hein, il y a 1130 inspecteurs municipaux au Québec. Et il y a seulement 3 programmes qui l'offrent. Donc, le taux de placement, c'est 1000% si on voulait. Technicien en environnement, technicien en géomatique, technicien en aménagement du territoire. On travaille dans les municipalités de toute taille, les organismes et les ministères environnementaux. On peut travailler au ministère des Transports, on peut travailler au ministère de l'Environnement, au ministère des Ressources naturelles. C'est les principales, là, évidemment, au ministère des Affaires municipales. On peut travailler aussi au niveau régional, comme je vous le disais, plus dans les MRC, donc c'est des municipalités régionales de comté. Des firmes d'urbanisme conseil, des consultants en environnement. Regard sur nos étudiants. 3 diplômés qui ont fait des expériences différentes. Alors, il y a Émile, qui est inspecteur municipal. Lui, qu'est-ce qu'il a fait? Ben, en fait, il est arrivé du secondaire, il était très social, à l'écoute des autres. Et lui, il a décidé d'aller dans une ville de 3750 habitants. Donc, une ville assez petite, mais qui a permis de faire plein de choses. L'ensemble des tâches qu'on lui a enseignées. Donc, ce qu'il aimait vraiment, c'est tous les domaines. Donc, il n'y avait pas une préférence nécessairement. Donc, il aimait toucher à tout. Donc, il a décidé d'aller dans une petite ville. Puis, qu'est-ce qu'il fait principalement? Bien, il aimait des permis. Il inspecte le terrain, il monte des dossiers juridiques, il fait du service à la clientèle, il fait du soutien technique auprès des élus et des fonctionnaires. Noémie, elle arrivait de l'université. Elle avait un bac en biologie et ce qu'elle voulait venir chercher en technique d'aménagement et urbanisme, vraiment plus le côté concret, le côté comment je fais pour aller prendre mes données sur le terrain, à quoi elles vont me servir concrètement. Donc, elle, ce qu'elle aimait, c'est voir le avant, le après, de toucher au terrain. Donc, elle voulait maîtriser les outils techniques, améliorer ses connaissances sur les règlements aussi de l'aménagement du territoire. Quelqu'un qui était très motivé, discipliné, qui avait une rigueur dans ses études. Elle travaille maintenant dans une firme de conseil en environnement. Puis avec son bac en bio, ça l'a aidé aussi, mais
Elle aurait pu occuper ce poste-là, même si elle n'avait pas eu son baccalauréat en bio, mais c'est juste que, bon, mais nécessairement, elle avait de l'intérêt là-dedans. Donc, elle est devenue, elle, technicienne en environnement pour faire des relevés d'inventaire, des projets de conformité avec les lois sur l'environnement. Elle accompagne les citoyens pour certaines démarches quand ils font des projets pour pas que ça nuise à l'environnement. Donc, et elle fait évidemment de la cartographie et du graphisme. Finalement, Hugo, lui, il est technicien en aménagement du territoire. Lui, il arrivait de tremplin d'aide. Quand il est sorti du secondaire, il ne savait pas trop. Il est venu faire un cours chez nous, ça l'a accroché tout de suite. Et ce qu'il aimait, c'était vraiment faire de la cartographie. Lui, il voulait trouver un emploi aussi dans sa région. Il voulait revenir là, dans sa région natale. Il venait de l'extérieur. Puis, ce qui l'intéressait, c'était vraiment l'aspect multidisciplinaire, mais aussi de pouvoir participer au développement de son milieu. Qu'est-ce qu'il fait maintenant? Ben, il fait des relevés d'inventaire. Il analyse les besoins pour les traduire en cartographie. Donc, vraiment plus la communication graphique. Lui, il aime beaucoup, beaucoup l'ordinateur. Il va, des fois, sur le terrain, mais son principal travail, c'est vraiment de le placer sur une carte. Donc, ça vous montre un petit peu la panoplie d'emplois qu'on peut, occuper suite à l'aménagement, avoir fait un DEC en aménagement et urbanisme. Nous, on forme des gens pour aller sur le milieu du travail. Par contre, évidemment, on peut continuer nos études si on veut. Ça nous permet d'avoir un diplôme en poche, de travailler pendant les étés, de travailler des fois si on veut continuer à l'université, si c'est possible, dans différents domaines, puisqu'on touche vraiment différents domaines. Principalement en urbanisme. On a même une passerelle avec l'Université de Montréal qui offre le baccalauréat en urbanisme. Mais on peut aussi continuer en géographie, en géomatique, en génie civil, en génie de la construction, en architecture. Donc, toutes les facettes du domaine qu'on voit, c'est des passages vers l'université si jamais on veut. Puis, ce qui est bien aussi, c'est qu'on a déjà un bon bagage quand on arrive à l'université comparativement à quelqu'un d'autre qui arrive d'un autre domaine. Non. Alors, le technicien en aménagement et urbanisme, bien, ce qui est intéressant aussi, en plus de l'autonomie qu'il a dans son travail, c'est qu'il y a un salaire plus que respectable, donc entre, au dernier recensement, là, c'est entre 23 et 47, c'est très précis, entre 23 et 47 et 27 et 24 $ de l'heure, en commençant, tout dépendant de la grosseur des municipalités. Puis il y a des municipalités aussi, certaines, les plus grandes villes, où est-ce qu'il y a un syndicat, donc c'est très normé. Mais en général, c'est des emplois qui sont appréciés, puis qui sont des bonnes conditions de travail. Bon, vous, ça vous dit peut-être pas grand-chose pour l'instant, mais ça va devenir important un jour d'avoir des bonnes conditions de travail. C'est intéressant aussi, là, puis c'est du travail qui est à temps plein. Donc, toute l'année, on travaille, puis on a différents avantages. Le taux de placement, je l'ai déjà dit, c'est 100%, ça pourrait être 1000%. Vraiment, on a besoin de former beaucoup d'inspecteurs municipaux, mais des techniciens en aménagement aussi. Donc, vraiment, c'est un domaine où est-ce que tous nos étudiants se placent, là, tout dépendant de la région où est-ce qu'ils veulent travailler. Finalement, donc, c'est quoi l'aménagement et l'urbanisme au cégep de Jonquière? Bien, c'est une technique où est-ce qu'il y a énormément de logiciels, d'instruments. Une grande place est laissée vraiment au côté pratique. Donc, on va apprendre concrètement à travailler le territoire. C'est une formation qui est en lien constant avec les besoins du milieu. On évolue, les cours évoluent puisque les besoins changent. On a nécessairement besoin de s'adapter à la société puis à ce que la municipalité devient. On parle beaucoup de municipalité verte, de développement durable. Hein, donc, ça, c'est vraiment plus dans l'air du temps. Donc, nécessairement, on a adapté notre formation en fonction de ça. Donc, il y a des projets étudiants, il y a des collaborations avec le milieu, il y a une alternance travail-études pour l'automne 2021. Puis, ça fait qu'on forme des finissants qui sont polyvalents et qui sont autonomes. Je vous remercie beaucoup d'avoir pris du temps avec moi aujourd'hui. Puis, je vous rappelle que vous pouvez vous inscrire jusqu'au 1er mars 2021. Bonne chance dans vos choix. Puis, si vous avez quelques questions, n'hésitez pas à communiquer avec le cégep de Jonquière, à visiter notre page Internet Aménagement et urbanisme ou à même communiquer avec moi. Mon nom, c'est Marie-Hélène Mercier. Je suis la responsable du département, puis ça va me faire plaisir de répondre à davantage de vos questions. Bonne chance!